Après, je voulais savoir, est-ce que vous avez un travail spécifique pour endurcir les avant-bras ou d'autres parties du corps? Parfois, vous pouvez vous mettre des low kicks, alterner avec un partenaire, se mettre des low kicks, faire d'autres choses pour justement endurcir le corps. Mais il y en a d'autres qui font pas ça. Il y en a d'autres, c'est juste avec l'entraînement, à force de prendre des coups. Donc, c'est quoi qui, vous, c'est quoi votre manière de faire? Est-ce que vous avez un travail spécifique, par exemple, se taper sur les avant-bras ou autre pour durcir le corps ou? Non, ça, non. On ne travaille pas. On s'entraîne pour. C'est important, c'est l'entraînement. Il faut bien s'entraîner, bien l'entraînement dur, comme ça. Après, pour combattre, c'est plus facile. D'accord. Il faut être le plus régulier dans les entraînements, en fait. Et tout ce qui est physique. Pao, physique, tout ce qui est, tout ce qui peut se travailler. Les tractions, ouais. Trucs comme ça, c'est important. Les tractions, les pompes, les abdos, ou les. Les pompes, c'est important parce que ça te fait travailler tout ce qui est avant-bras aussi. Ça travaille beaucoup de choses. Mais le but, c'est d'être le plus régulier possible aux entraînements. D'accord. Et là, tu augmentes tes capacités pour faire du fight. D'accord.